société. Aujourd'hui, l'épisode 1 de Tales from the Loop, le board game. Alors, j'ai vraiment hâte de commencer cette partie-là avec vous. J'espère que vous allez être nombreux à l'écouter. Je dois dire, qui m'a intrigué, qui m'intrigue encore et qui me fait beaucoup penser à un univers du style Stranger Things. Donc, petit retour donc sur l'ambiance, sur qu'est-ce qui se passe. Donc, on a un laboratoire semi-secret qui s'appelle The Loop, finalement, qui fait des expériences. Ces expériences-là vont occasionner certains effets, là, finalement, sur qu'est-ce qui se passe autour. Et les événements, les énigmes, ainsi que les événements du scénario vont faire augmenter soit le taux d'énigme, ça ici, ou le taux de insight ou de clarification, on va dire ça comme ça. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe essentiellement, c'est que en ce moment, il y a des machines qui ont lien avec le laboratoire, là, finalement, qui commencent à se comporter de façon erratique. Ils sont soit qu'ils marchent tout simplement en cercle ou ils disparaissent dans les bois. Et il y a eu quelques incidents dangereux qui se sont produits. D'ailleurs, récemment, il y a plusieurs machines qui ont commencé à agir de façon vraiment bizarre. Vraiment juste des petites affaires comme marcher bizarrement en trottinant, etc. Mais la semaine dernière, il y a un parent offer, donc cette espèce de petit robot-là, là, finalement, là, qui est entré en collision avec le troc, je suppose, un F-150 de 1980, donc de la famille Anderson. Donc, voilà. Alors, on en est là. J'ai mes deux enfants qui sont Stéphane, en fait, des adolescents, on s'entend. Alors, Stéphane, qui est un sportif, et Léna, qui est la fille populaire de l'école. Et sans plus tarder, allons-y avec cette magnifique partie. Bon, allons-y avec notre super partie de Tales from the Loop. Donc, le scénario Bot Hammock. Alors, allons-y, donc, avec, la première phase. Donc, ils sont à l'école au Stenhamra. Donc, on est le lundi de la première semaine. Ils ont chacun des tâches familiales à faire. Donc, en ce qui concerne Stéphane, lui, il doit vraiment mettre de l'effort beaucoup, beaucoup pour son succès à l'école. Tandis que Léna, la fille populaire, doit faire le gazon. Hein? Donc, apparemment, c'est très long faire le gazon chez eux. Très, 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 très long. On remet, bien sûr, les pions de temps disponibles dans la réserve. Ça, ici, on n'a rien à faire, donc, pour l'instant. Et là, on prend une carte école. Donc, ça, c'est là que j'aimerais avoir l'écran vert comme Martin, mais là, je ne l'ai pas présentement. Peut-être un jour. Donc, ici, protocole mis à jour. Apparemment, des enfants continuent à les provoquer. Donc, provoking them. Donc, c'est ça. Donc, apparemment, il y a des enfants qui continuent à les provoquer. Donc, en parlant des machines. Alors, il y a quelque chose qui doit être fait. Donc, toutes les machines avec le symbole comme ça ici deviennent en alerte. Donc, celui-là ici devient automatiquement en alerte, même si pour l'instant, il ne peut pas bouger. Donc, no matter where they are. Donc, ensuite, on regarde le petit symbole ici. Si j'avais une petite machine, donc le petit symbole de dans le coin là de puce là, finalement dit que s'il y avait une machine qui était hackée, ben elle ne l'était plus essentiellement. Et je me demande s'il n'y a pas d'autre chose. Firmware reset all hack machine if there are two firmware icons. Ah, ok, donc non, ça c'est bon. OK, parfait. Donc, ensuite, on fait les déplacements. Donc, on voit que, de toute façon, mon power-offer ne bouge pas. Ensuite, on a mon fire-guard, hein, le même symbole qui se répète. Donc, il se déplace d'une case vers le bas et d'une case vers la gauche.
Donc, il est rendu ici, à côté du Sangar Sabi. Ensuite, on a le Watch Dogs qui tasse ici et qui montrait de 1 s'il y avait de l'espace, mais ce n'est pas le cas. Et ça ici, ce type de machine-là, on les a pas. Alors, on continue. Donc, ici, ça ici, on ne l'aura pas fait. Donc, on ne rajoute pas de rumeur pour l'instant. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, on fait l'événement, les machines, on vient de le faire. Et là, on est rendu à la phase d'aventure. Alors, pour la phase d'aventure, très simple, j'ai des petits pions de temps ici, des petits cubes de temps orange, donc que je peux utiliser pour faire des actions. Et à chaque fois que j'en utilise, je les mets dans Spend Time ici. Alors, tout simplement. Alors, c'est là que je les place. Et il peut y avoir certaines conséquences qui peuvent arriver. Bon, alors, on va faire agir premièrement. Donc là, ici, on dit, comme condition, il y a quelque chose qui se passe avec les machines. Investiguer les rumeurs à propos des machines qui agissent de façon bizarre. Et surtout, le power-offer. Alors, prenez le token de machine et mettez-le sur la base de power-offer. Alors, petit token représentant d'ailleurs une machine. Alors, ce petit token-là, qu'on va le mettre sur le para-woofer. Alors, it will not move. Donc, le para-woofer ne va pas bouger aussi longtemps qu'il y a un token dessus. Donc, une fois que si je suis adjacent à la machine, donc si je suis à Morbihan pour l'instant, je vais pouvoir utiliser deux jetons de pion pour tourner cette carte-là. Donc, on va investiguer avant des rumeurs. Donc, on va y aller avec Lina. Lina qui va quitter l'école et qui va aller au magasin de Sangar Sabi et qui va, bon, se déplacer de 1 comme ça va lui coûter 1. Donc, c'est un walk ou un bus ride, là, peu importe. Alors, il faut toujours se déplacer selon les liens qu'il y a. Et elle va faire un scout. Donc, je flippe, je tourne la carte rumeur, mais je ne fais pas la carte en tant que telle. Donc, ici, ça, c'est le J. Donc, celle-là, ici. Je fais juste le flipper. Okay? Et là, je peux la lire. Alors, ici, Ice Coolers. Donc, OK, donc Ice Coolers, ça c'est comme genre la bande de jeunes populaires, là, finalement. Ça donne bien. Hein? Alors, on n'aurait pas dû prendre ce détour maintenant que nous sommes là. Hein? Donc, je peux essayer de faire OK, je peux essayer plusieurs choses. Donc, première, ben, plusieurs choses. Je peux essayer un jet de Charming. Donc, on s'entend qu'elle est très charmante. Donc, c'est sa force. Le knockout ici, c'est que si j'aurais une combinaison de cartes, donc de cartes qui me permet de faire la combinaison en bas ici et qui me donnerait un knockout, je pourrais à ce moment-là utiliser ces deux cartes-là pour faire un combo et réussir automatiquement ce qui est à faire là. Alors là, ça va pouvoir me gagner du make-up ou encore un item de vêtements. Et si je réussis pas, il me court après en me riant dessus et donc devient scared, donc elle a peur ou encore upset selon le besoin. Donc je peux choisir entre les deux. Donc essentiellement, là je fais juste la tournée, j'ai fait un scout. Je la tourne, je sais que c'est ça. On va y aller avec Stéphane. Stéphane, lui, qui va aller à Morbihan, donc dans sa petite localité, son petit patelin, hein, parce que c'est son home. Et là, lui, il va prendre un pour se déplacer, puis il va prendre deux pour observer le para-woofer. Donc, je prends cette carte-là, je la tourne de bord, et là, ça dit: vous trouvez l'endroit. OK, vous trouvez l'endroit qu'ils ont arpenté ou quelque chose d'un autre par Rick Sernorgi. Ah oui, c'est ça. Donc,
Vous trouvez l'endroit qui a été limité par Rick Senergy. Alors, vous voyez que la clôture a été détruite et que le paraoufer, en fait, les traces du paraoufer semblent vous emmener vers les bois qui sont pas loin. Alors, on me dit ici d'enlever le jeton de machine. On bouge le paraoufer à E8, donc celui qui est juste au-dessus ici. Alors, il est glitched, donc tu sais, il fonctionne mal et il bouge selon son propre agenda. Alors, je dois mettre la carte erratique. Donc, il est erratique. Alors, comme ça, il est erratique. Voilà. Alors, il est erratique. Et, OK, potato erratic response card in play, routine side up. Oh, routine. Donc, il n'est plus en alerte, mais il est en routine. OK. Alors, je dois mettre au jeu les cartes B3 et B4. Et je dois discarter cette carte. Donc, cette carte-là, on va la faire disparaître. Disparaît. Je dois mettre B3 et B4 en jeu. Donc, on va faire ça comme ça. B3 et B4. Ceux-là, on va les mettre de côté pour l'instant. Donc, B3, ça dit les machines qui fonctionnent mal se comportent de façon erratique, mais ils ne semblent pas être malicieuses. Du moins, pas pour l'instant. Alors ici, ça dit glitch machine. OK, là, les glitch machines utilisent les cartes erratiques, comme j'ai fait ici. Lorsque je fais un test de hacking ou de avoid, donc que j'arrive à côté, là je l'avais pas fait tantôt pour la simple bonne raison qu'il y avait comme un symbole vert comme ça qui je pouvais passer sans problème. Lorsque je fais un jet de hacking ou d'un test de avoid à propos d'une machine qui fonctionne mal, d'une glitch machine, puis que ça fonctionne pas, je dois rajouter un counter sur cette carte. Les counters que je rajoute sur la carte, c'est les petits cubes blancs, essentiellement. Lorsque trois counters sur counter blanc ou cube blanc sur la carte, ou quand une machine glitch est détruite ou brisée, wrecked, je dois changer la carte de réponse erratique sur son côté alerte. Et j'enlève toutes les counters blancs, puis je dois changer la carte de bord. Alors, chaque chose suivante peuvent arriver une fois par tour. Gagner un d'insight lorsque vous faites un scout, une reconnaissance finalement sur une glitch machine. Puis gagner deux si vous l'avez hacké de façon que vous avez réussi à la hacker. B4, c'est que plus que vous étudiez les mouvements des machines, plus il semble qu'ils le font au hasard. C'est des mouvements au hasard. C'est comme s'ils cherchaient pour quelque chose. Donc, lorsque le paraoufer va bouger, il faut ignorer la direction de la flèche. Il va bouger de 1 ou de 2 secteurs en se rapprochant du FireGuard. Alors, si le paraoufer est adjacent au FireGuard à la fin du mouvement des machines, je dois mettre la carte B2 en jeu. Lorsque le Insight arrive à 10, je dois flipper cette carte-là. Si le Enigma arrive à 10, je dois mettre la carte B5 en jeu et me débarrasser de cette carte. Bon! OK, donc les machines fonctionnent un petit peu tout croche. C'est ça que ça veut dire. Donc, essentiellement, ce que j'ai compris, il faut que là, mon insight, il faudrait qu'il monte à 10, je veux qu'il se passe de quoi? Probablement bénéfique. OK. Il y a juste une paire de sneakers.
d'espadrilles, finalement. OK. Donc, il va étudier, notre cher ami. Il va étudier un peu. Hein? Il est chez eux, de toute façon. Donc, je peux placer un counter là. En fait, c'est un bon garçon. Il va étudier encore deux fois. Tiens. Il vient de trouver ça. Il trouve ça un peu bizarre, mais il se dit, il faudrait peut-être que j'étudie. En ce qui concerne Lina, donc l'aventure de Lina ne finit pas là. Elle va essayer ça ici. Donc, elle va faire un investigate. Donc, elle va faire un jet de charming. Parce que c'est ça qu'on demande ici. Alors, c'est cool. J'ai juste besoin d'aller leur parler. Même s'ils sont des enfants un petit peu plus vieux. Ils ne sont pas des monstres. Ou enfin, quoi que ce soit d'autre. Donc, ça me prend un 6 pour réussir. Alors, je l'ai ici. Alors, c'est réussi, c'est un succès. Alors, vu que c'est une énigme avec cassette, je ne me fais pas d'énigme. Parce que si on regarde sur la carte du scénario, c'est ceux qui donnent des points d'énigme, mais de insight, c'est les têtes de robots. Donc, ici, alors, c'est OK, il t'aime bien. Alors, je gagne soit le make-up ou le clothes item. Alors, on va aller voir c'est quoi ces affaires-là. OK, Mika. Ben là, Claude, il n'y en a pas. Bon, non, il n'y en a pas parce que le seul Claude qu'il y a, c'est les sneakers. C'est spécial. Manquerait-il des items? On va retourner voir dans la boîte parce que ça me m'intrigue. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, ben, elle se trouve du eyeliner. Hein, il lui donne du eyeliner. C'est magnifique. Donc, elle est rendue avec du eyeliner. Alors, combiné à des clothes, ça donne knockout, allowed knockout, puis sharp chemicals. Bon, OK. Alors, ça, c'est réussi. Cette carte-là a été réussie. On la met dans la défausse. Donc, on la met dans la défausse. On remet ça de côté. Et là, il reste... Je vais déplacer ça, ça. Là, il reste 4 points de time. Les autres sont à l'autre bout du monde. OK. Faut qu'elle réussisse à retourner à la maison aussi. Il allait. OK. Ça, qu'est-ce que je fais? Bon, elle n'est pas à l'école. On s'entend. Elle va retourner à l'école. Attends un peu. Ça, c'est... Ah non, c'est when at home. Donc, elle va prendre l'autobus. Ça va à la maison. Puis, elle va faire deux fois ça ici. Spin on a place on a this can be done more than once per round. Oui, c'est ça. Donc, elle va en mettre deux counters sur ça ici. Donc, elle a commencé à faire le gazon, mais elle finit pas le tout dans la journée. C'est ça que ça veut dire. Donc, là, en ce moment, j'ai fait toutes mes actions. Alors, on passe à la end phase, donc la phase de fin. Est-ce que nos enfants sont home for dinner? C'est le cas. Ils sont chacun dans leur espace, dans leur localisation, où ils ont leur maison. Donc, ça veut dire qu'ils gagneraient un de faveur s'ils n'étaient pas au maximum. Ensuite, s'ils étaient blessés, ben là, on le bougerait vers la gauche. On regarde les chores ou les cores, peu importe comment ça se prononce. Donc, ce n'est pas terminé.
On regarde, y a-t-il un Enphase? Non, y a pas de mention de la Enphase là-dedans. Et donc là, on recommence pour un nouveau tour, tout simplement. Donc allons-y. Donc, on doit, bien sûr, déplacer ça ici pour dire qu'on est rendu mardi. Tous les enfants sont à l'école, bien sûr, en cette belle journée. Alors, il n'y a pas de school phase qui trigger. On retourne chercher tous nos cubes de temps. On glisse les rumeurs vers la droite. Et là, on prend une school card. Donc, c'est écrit ici. Oh! Alors, le symbole qui est ici veut dire que, essentiellement, on doit mettre autant de cartes de rumeurs, nouvelles cartes de rumeurs, que de kids. Et là, comme vous pouvez voir, si j'en mets une, oh, il n'y a plus de place. Donc, je dois bouger vers la droite. Il y en a une qui va sortir. En sortant, celle-là va directement dans la défausse, fait augmenter l'énigme de 2. Et on en met un autre. Donc, essentiellement, celle qui vient de sortir, c'est celle qui était à A. Et là, on a une à M. Ça la donne bien. Puis l'autre à K. Oh, à la prison. Et voilà. Ensuite, là, c'est l'événement. L'événement est pour chacun des kids indépendamment. Donc, quand on a le symbole de personnage avec un point d'exclamation, c'est ça que ça veut dire. Et là, ici, on dit, ah, une boîte de vieux câbles, vraiment. Alors, chaque enfant peut utiliser une faveur ou essayer un test de charme pour demander aux marchands itinérants de leur donner quelque chose de cool. Bon, Stéphane, lui, c'est pas un charmeur, donc il va utiliser une faveur. Donc, il va aller chercher un item. Alors, il faut que je les arbrasse. C'est vrai, je les ai vérifiés tantôt. Donc, on va les arbrasser. J'ai complètement oublié de le faire. Alors, lui, il va chercher un item. Il se fait une boombox. Alors, il y a une boombox. Oh, wow. Et elle va tenter de les charmer, ces peddlers-là. Elle va tenter de les charmer. Là, je pourrais utiliser cette carte-là toute seule. Pour me donner un plus un dé. Mais là, je ne le ferai pas. Elle a quand même 5 dés. Bon, alors, ne réussit pas, donc aucune chance. Donc là, en ne réussissant pas, je pourrais prendre un demi-cube de temps, le mettre soit à fatiguer, en colère, à peur, puis le refaire le jet. Mais je ne le ferai pas, ça ne vaut pas la peine. Ceci dit, alors, le paraoufeur va se diriger de une vers soit là ou là. Donc, il va être à la même distance, peu importe. On va le faire déplacer à côté de l'école. Tiens. Ensuite, attends un peu. Non, pas vrai. On va le déplacer ici. On va aller voir pourquoi. Parce que le FireGuard, lui, fait 1, 2, il s'en va où l'école. Et là, c'est là que c'est pas évident. Est-ce que le carré qu'il y a là est équivalent à adjacent de ce carré-là? Et là, c'est là que les règles ne sont pas évidentes. Donc, moi, je compte. On va falloir vérifier ça, hein, les amis. Donc, ils sont adjacents puisqu'ils touchent leur carré touche à la même location. Donc, tout simplement, ce que j'ai pu comprendre, je peux me tromper, mais enfin. Donc, ça veut dire que, vu qu'il est adjacent, je mets la carte B2 aussi en jeu. Donc, la carte B2. Donc, ça dit ici, dans With a Jolt, donc dans. Un effet électrisant. Le FireGuard se relève, regarde autour et s'en va. Donc maintenant, le FireGuard est glitched également. Donc je prends cette carte-là. Je mets le FireGuard glitched que j'avais sorti. Voilà.
Puis là, à partir de maintenant, chaque fois qu'il y a une machine glitch qui arrive à côté d'une machine qui ne l'est pas, donc elle rend l'autre machine glitched. Ok. Puis à chaque phase de fin, oui, c'est ça. À chaque phase de fin, j'additionne un énigme pour chaque machine glitch qui est adjacente à une autre machine glitched. Donc, merveilleux. Merveilleux. Donc, les deux sont glitched. Bon. Et tout va bien. Tout va bien. Ah, Seigneur. Bon, enfin. C'est pas grave. Donc, voilà, ça, nanana. Puis là, il me restait eux à faire. Donc, ils se déplacent dans l'eau. Blou, ce que j'ai pu comprendre. C'est ça. Donc, on y va avec. Maintenant, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on est rendu à la phase d'aventure. Donc, là, on est à l'école. Il y a à l'école quelque chose qui se passe. Donc, elle va faire un scout sur la rumeur. Donc, c'est vrai, lorsqu'on est à plusieurs joueurs, lorsque la place a été scoutée, on fait ça de même, mais on ne laisse pas la carte tourner. Il faut juste s'en rappeler. Donc, je vais le faire de la même façon. Donc, là, je la regarde. C'est Feeding Grounds. Donc, regardez à tout ce sang. Oh, est-ce que c'est le collier d'un chien? Alors, c'est un jet de ça, c'est un jet de bravoure. Donc, que je dois faire à ce moment-là. Donc, je la reviens d'abord. Elle va demander à Stéphane de prendre sa bravoure en main. Hein? Donc, on va y aller avec Stéphane qui va être celui qui va faire le jet et elle va l'aider. Donc, lorsqu'on fait de l'aide, on ne met pas de pion de temps, ce que j'ai pu comprendre. Donc, en l'aidant, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir 4D. Stéphane va avoir 4D. Pour utiliser sa boombox, c'est il tente, là. Stéphane pourrait utiliser sa boombox pour s'aider. Donc, il va investiguer. Donc, on aurait pu faire un decoy. Il n'y a pas moyen de faire vraiment de decoy à moins que j'aille un bike. Donc, il va utiliser sa boombox. Hein, on va utiliser la boombox. Ça, il va donner un dé supplémentaire. Et on y va. On fait le jet. Alors, il manque son coup. Donc ici, on dit qu'il va devenir injured. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre. On prend toujours ceux qui sont spendés en premier. Il va être fatigué, mais il va refaire son jet. Alors ça, on peut juste le faire une fois. On est obligé de garder le nouveau résultat. Alors, grâce à ça, en se fatiguant, il réussit. Donc après avoir perdu une partie de roche-papier-ciseaux. Vous bougez silencieusement pour réussir à faire ce que vous voulez faire, ignorant le bruit qu'il y a dans les buissons. Alors, c'est dégoûtant, mais au moins vous avez trouvé quelque chose. Gain un item. Ben, justement, je viens de trouver le bessic. Alors, j'ai trouvé le vélo. Hein, on trouve un vélo qui peut nous aider un petit peu plus tard. Ensuite, Lina va faire un scout sur. C'est ça, c'est en faisant un scout, hein, sur Glitched. Il est où celle-là? Gain one insight when a glitch machine is scouted. Donc, elle va le scouter. Donc, on gagne un d'insight. Alors, elle le regarde attentivement. Lui va faire un. Non, il ne fera pas la même affaire. Alors, elle va refaire la même chose que je peux le faire. C'est-tu once per turn? Ah, c'est once per turn. Elle ne peut pas le faire deux fois. C'est once per turn par machine, peut-être? Non. Each of the following
OK, donc c'est juste une fois par tour. OK. Elle va se déplacer de 1, se déplacer de 2, et elle va investiguer automatiquement le cas. Donc lui, c'est vrai, il est réussi, c'est une cassette, ça donne rien. Le cas, elle s'en va le faire, si on l'enlève. Alors, on essaie de rentrer dans la prison. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? C'est une investigation de police. Alors, l'officier Blankang a déjà délimité le territoire. Vous savez qu'elle est différente des autres adultes. Elle peut écouter. Et si vous lui faites part des faits, donc je pourrais faire un hit and run si j'avais hit and run en combo, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut que j'essaye de faire un jet de clever, d'intelligence. Donc, c'est 3D ça. Donc, on va voir si Lena, elle est clever. Elle ne l'est pas. Donc, l'officier de police, oups, c'est pas la bonne que j'ai pris. Ça, c'est là. C'est plutôt lui qui est exhausted. J'ai fait une erreur. Elle va justement se fatiguer pour refaire son jet. C'est toujours manqué. Bref. Alors, c'est une affaire de police. Allez, vous les enfants, l'enfant, va-t'en. Et je deviens en colère. Donc, elle est fatiguée et en colère, la pauvre. Donc, elle va faire va demander un car. Non, elle va faire un rest. Donc, elle va faire un rest. Donc, ça, c'est manqué. Donc, elle va faire un rest pour s'enlever le exhausted. Et voilà. Là, elle ne pourra pas se rendre à la maison, mais c'est pas grave. Elle va juste perdre des faveurs ici. En ce qui concerne Stéphane, qui lui reste 5. Donc, il va prendre le bus. Il part. Jusque-là. Il va se rendre jusqu'au Nordic Gobby. Donc, ça va me coûter 2. 1, puisque je passe d'un open à un restricted, ça me coûte 2. Je vais prendre 1. Pour me rendre jusqu'au. Ah, Seigneur, non, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Oh là là, comment que je vais m'organiser? Ok. Bon. Ça ici. Là, il me reste un. Non, il me reste là. Oups, j'en ai un que j'ai mis de trop. J'ai mal calculé mon affaire. Donc, on va revenir sur nos pas. On va retourner là. Parce que là, ça lui a coûté un aller là. Il n'y a pas moyen de se rendre jusque ceux-là comme on veut. Bon. On recommence. C'est 7. 1, 2, 3, 4, 5. L'environ 20. Il est là. Tout un mardi, tout un mardi. Ah, sais-tu? Bien ça. Lui, il va faire un là. Puis let's go, on essaye de hacker la marine. Ok, de cette année, each one must spend an end. Spend is the hacker. Bon. C'est
C'est déplacé d'un 1 là. Alors, le Fire Guard, il y a 3 Firewall, donc ça me prend 3 pour le hacker. Et là, la façon que ça fonctionne, c'est... Alors, de la gauche à droite, je fais les Firewall une par une, making sure to use the top part of the routine mode. Bon, vu que t'es en routine. Ah oui, c'est vrai. En arrivant là, faut que je la outsmart. J'ai oublié de le faire ici tantôt. C'est pas grave, donc à chaque fois que j'arrive nearby, donc elle aurait dû le faire pour lui, et pour, ben, en fait une fois, là, soit lui ou lui, mais lui, en arrivant ici, c'est vrai, j'ai un jet à faire avant, pour voir s'il me repousse, donc c'est un jet de clever, donc lui il est dense, donc juste 2D, oh hey, mon dieu, réussite totale, donc là je peux essayer de le hacker, donc on y va. Donc là, je regarde le premier. Pouf. Donc, je dois faire un jet de bravoure. Alors ça, ça va être 3D. Il est laid. Ben, il est en colère. Puis il continue. Ah! Manqué. Alors, OK. C'est comme si j'avais manqué un avoid test, donc il me renvoie une localisation adjacente, donc voilà, je m'en vais directement à un Morbi. Et elle devient alertée. Voilà. Donc ça n'a pas marché mon affaire. Il me reste un, je suis à la maison, donc je vais prendre un pour finir le travail que j'ai à faire. Donc ça va me faire 4 ici. Pour la forme, on va mettre un quatrième jeton. Donc c'est la fin. Alors, est-ce qu'on est home for dinner? Lui, oui, mais pas elle. Donc vu que elle, c'est pas le cas, elle baisse sa faveur. Est-ce que j'ai une injured condition? Non. Est-ce que j'ai réussi à compléter une tâche? Oui, celle-là. Donc, on met ça de côté. Puis, on dit ici... Bon, maintenant que j'ai terminé les livres d'école, je peux faire d'autres choses. Rechercher un item dans un... chercher le deck d'item et défausser... Ah non, excuse. Chercher le deck d'items ou la défausse d'items pour avoir un item avec le knowledge tag. C'est écrit knowledge. Puis s'il n'y en a pas, developable, je draw un item. Bon, ça c'est un course de fait. Ça c'est pas le cas. Donc, knowledge, j'en ai. Je pense qu'il y en a juste un. Alors, finalement, j'ai ça ici. Donc, c'était rendu elle, la first player. J'ai oublié de le faire tantôt. Mais ça ne change pas grand-chose, sérieusement. Donc, j'ai un schoolbook que je peux combiner avec... OK, que je peux combiner à n'importe quoi pour réussir à faire un combo. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Ensuite, y a-t-il un end phase? Oui, end phase. Donc, end phase, à la end phase, je mets un inning pour chaque glitch machine adjacent à un autre glitch machine. Donc, les deux qui sont là. Alors, ça va pouvoir monter assez vite. Et voilà, maintenant, on va être rendu au troisième tour. Alors, on va y aller. Donc, on retourne à l'école. On va le faire correctement. Alors, on retourne à l'école. Bon, ça, il n'y a rien qui se passe. On retrouve les cubes de temps.
ça se déplace pas vers la droite. Donc, on va faire la carte d'école. Donc, comme on peut voir ici, on doit aller chercher l'équivalent qu'on a de héros ou de kid, là, finalement, de carte de rumeur. Oups, il fallait pas que je le voie. Personne ne l'a vu. Donc, E. Où est le E? Où est le E? Ah! Bien. Je vais regarder c'est quoi. Puis le N, ça, c'est l'église. Donc, à l'église, juste ici. Donc, ensuite, donc, c'est la maintenance. Donc, maman a dû travailler tard hier soir. À propos d'une sorte de mise à jour de machine qui est supposée être installée aujourd'hui. Alors, pour chaque machine, défausser le premier firewall sur le firewall track. Donc, on défausse ça. Hey, c'est magnifique, c'est super. Ben non, on défausse, on s'entend. OK, parfait. Donc, c'est intéressant pour ça. Et là, on les fait marcher. Lui, il s'en va là. Ensuite, celle-là fait ça, ça. Et lui, il s'en va là. Il est en train de sortir carrément du jeu. En tout cas, c'est pas grave. Donc, on continue. OK, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est-tu à la end phase? Oui, c'est à la end phase qu'il se passe quelque chose quand ils sont un à côté de l'autre. Y avait-tu d'autres choses? Ah, voilà, add a counter to discard. C'est vrai, j'ai essayé de faire un hacking. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, on va mettre. Stéphane a fait une petite erreur. Il a serré les petits pitons trop rapidement. Donc, on va laisser ça là, tu sais. Il va falloir que j'en mette une sur la carte. Mais à part ça, je pense que c'est correct. Ça va. Excellent. Donc, on continue. Donc, ça, c'est beau, là, tu sais, Alors, alert state, set machine to routine or alert depending on nearby. Alors, ils sont à côté d'une localisation open, donc ces deux-là deviennent, se transforment en routine, excuse pas celle-là. Alors, celle-là, quelqu'un qui est perdu en haute mer, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. Je suppose que ça compte, faut regarder de plus proche. Donc ça, c'est pas clair. Puis même, je suis même pas sûr qu'il peut aller en haute mer comme ça, mais enfin, c'est pas écrit, évident. Donc, voilà, on va y aller avec qu'est-ce qu'on peut. Donc, on est rendu à l'Adventure Phase. Alors, qu'est-ce que mes deux super jeunes ados vont faire? Alors, lui, il va faire un petit rest. Ça me permet, c'est relieve one condition. Donc, il est plus upset. Non, il est plus exhausted. Il est plus fatigué. Donc, ça va aller là. Ensuite, il va aller à Morbi. Il va aller investiguer. Le N, celle-là ici. Alors, un étrange bruit qui fait... Alors, pourquoi les stations de recharge continuent à faire ce son bizarre? Donc, je dois faire soit une interface pour le réussir en combiné, ce que je ne peux pas faire. Sinon, c'est un jet de clever. Donc, lui, il est dense. Alors, c'est pas sa force. Il va l'essayer quand même. C'est complètement manqué.
Alors, le son augmente et la station explose dans une pluie d'étincelles. Vous êtes maintenant injured. Alors, il est injured. Qu'est-ce que je me demande? C'est écrit scared à côté. Pourquoi c'est écrit ça? Ça, c'est pas clair. On va aller voir. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans le livre? Alors, les conditions. OK. Taking condition. Ah, OK. Ce qui est en parenthèse, si j'avais quelqu'un qui m'aidait, c'est ce qui lui est arrivé. Stéphane est blessé. Hein? C'est pas drôle. Donc, il est quelque peu blessé. Et donc, là, il est là. C'est un fetter, donc il faut que je l'enlève de là. C'est où est-ce que je les ai mis, ces cartes-là? Enfin, tiens. OK, donc c'est raté complètement. Parfait, donc il reste un pion de temps. Donc pour l'instant, il va pas l'utiliser. Alors, elle va faire 1, 2, 3. Il va voir qu'est-ce qui se passe. Elle va investiguer les Bonnet Towers. Pris à l'intérieur, verrouillé à l'intérieur. Tu vois, ce n'était même pas verrouillé. C'est juste jammé. Je dois faire un jet de toff. C'est pas sa force non plus. Ou encore faire des explosifs. Ce que je suis pas capable de faire. Il va avec un jet à 3D. Je pense qu'elle va devenir exhausted. Elle va réessayer. C'est raté encore. Donc, essentiellement, vous ayons tué, ayons le Lina finit par s'échapper, mais ça a pris un bon temps. Donc, je dois payer deux pions de temps. Je suis pas capable de toutes les payer, mais bon, ça arrive jusqu'à la fin comme ça. Puis, finalement, elle n'a pas le temps de retourner à la maison et elle va être grounded probablement. Alors, c'est magnifique. Ça va pas bien, mon affaire, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc, essentiellement, voici ce qui va arriver. C'est que là, on arrive à la fin de la phase d'aventure. Alors, est-ce qu'elle est son home for dinner? Stéphane, oui. Mais c'est pas le cas de Lina, qui va être grounded, vu qu'elle est rendue à ça de faveur. Donc, je prends deux des pions de temps, je les mets à grounded ici. Et tout simplement, une fois que ces deux pions de temps que finalement j'aurais pu pour un certain temps, puis je peux commencer à en enlever seulement quand la faveur revient à soit le neutre ou l'autre un petit peu plus haut. Alors, move injured condition one step to the right. Celle-là va finir par disparaître. Comme ça. Sure, les cores ne sont pas terminés. Pour elle. Le end phase, y a-t-il quelque chose? The end, add one enigma for every glitch machine adjacent to other glitch machines. J'augmente de 2, je suis rendu à 6 ici. Alors, c'est pas une partie qui va très bien pour moi. Essentiellement. Et on recommence magnifiquement. OK, parfait. Allons-y. On est rendu mercredi. On est rendu mercredi. Les enfants sont de retour à l'école. Ça, il n'y a rien qui se passe. Bon. Elle récupère que ces deux pions-là. C'est magnifique. Lui, il récupère ces trois-là plus le reste.
Alors, et j'ai des places, j'ai pas à les déplacer, je prends une scorecard. Donc maintenant, oh, les bullies. Donc si c'est moins 1, donc j'en remplace qu'une seule, le A. Le A, où est-il? Il est juste ici. Donc, bullies. Donc, tout le groupe, en fait, le groupe ensemble, doivent combattre ou s'échapper des bullies. Donc, on va les combattre. Alors, lui, il est tough. Ça fait 5. Elle, bien sûr, elle est là pour l'aider. Ça fait 6. Et on va faire le jet. Alors, j'ai un 6. Alors, c'est réussi. Alors, je peux enlever scared s'il y en a un qui a peur. Ce qui n'est pas le cas, mais quand même, bon, on a réussi. Alors, un petit piton comme ça, il n'y a rien à faire. Ensuite, lui se déplace par là, donc il s'en vient ici. Lui, il s'en va. Il peut pas aller par là, mais il monte de 1. Et celle-là va faire ça ici. Et voilà. Donc, on est rendu à l'Adventure Phase. OK. Donc, elle va faire un scout sur la machine qui est ici, ce qui lui permet d'augmenter l'énigme de 1. Pas l'énigme, mais le insight de 1. Lui va prendre le ensuite elle va prendre le bus, elle va retourner à la maison. Ce qu'elle a besoin. Donc lui ici va faire un c'est donc je pense c'est une fois par tour hein, le scout can occur once per turn. OK, ouais, c'est ça, je pourrais essayer de la hacker mais c'est pas sa force. C'est pas sa force. Oh là là, ok. Puis là, les rumeurs sont comme loin. Ok. Il va faire un rest, il va enlever sa condition d'upset. Il va prendre le bus. Il va aller là. Non, je pourrais pas me rendre. Oubliez ça marche pas mon affaire. Qu'est-ce que je pourrais faire à part ça? Là, ils sont vraiment loin. Ouais. Pour essayer de la hacker. Mais... On va essayer de hacker le pare-feu. Donc, ça coûte 1 parce qu'il y a un firewall. Et là, je tourne ça ici. Et c'est un jet de clever. Alors, c'est un jet de clever. Donc, lui, il y a 2. Il va prendre son schoolbook pour avoir 3 dés. Et on y va, les amis. On essaye. Il va devenir en colère. Et c'est raté. Donc, lorsque je rate un hack, il faut juste être sûr. Controlling Hack Machine, non, c'est pas ça. Non, devient en alerte seulement. Devient en alerte. Ah oui, puis il y a une autre chose aussi. C'est un throwing rocks en premier.
En fait, c'est ici qui a manqué, puisqu'il y a un défaut de firewall en premier. J'aurais pas dû le tourner, mais en fait, c'est pas grave. Alors, vous esquivez des roches, certaines de plus grosses que vous, vous devenez exhausted. Bon, tu sais, ça va bien. Ça va super bien. J'avais complètement oublié, c'est vrai, cet espace-là. Faut que je le fasse pareil. Lui, il y a trois. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Là, il a essayé de le hacker, ça n'a pas marché. Il a fait un scout dessus déjà. Ses cores sont faites. Il va aller ici. Puis il va essayer de prendre d'utiliser une des Satuna Spiders. Donc, once per round, any one kid can spend one time here to see if you can get the spiders running. Donc, on va essayer ça. Les spiders, s'ils run. Donc, je tire un dé. 6. Alors, un soudain burst of speed. Donc, ça veut dire. Ok, donc si je fais un mouvement, je peux faire un mouvement de 2 avec. Ça a servi absolument à rien que je pense à ça. Ça, il n'y a pas de lien entre les deux. Admettons que je fais 1-2, puis là, il me restera plus de time de toute façon. Bon, ça servait absolument à rien, mon affaire. Fait qu'il va retourner à la maison. Ah non, il peut pas. Oui, il va retourner à la maison en prenant une ride des parents. Ok, parfait. Donc, je pense que ça va être pas mal ça. Ça va être pas mal ça. Donc, c'est fini. Il va. Donc, j'ai un hack qui a été manqué. Ici, sur la glitch machine. Alors, est-ce qu'on sont home for dinner? Oui, donc, ils augmentent de 1 chacun. Eux se déloquent automatiquement vu que j'ai augmenté. Ensuite, injured condition, il n'y en a pas. Shores, elle ne l'a pas terminé encore. Il est end. Add one for every glitch machine, un à côté de l'autre, il n'y en a pas. Donc, et on recommence. Donc, on est rendu le jeudi. Ils retournent à l'école tous les deux. Récupère. Ça ici. On déplace sur le côté. On prend la scorecard. Je dois en mettre deux. Donc celle-là, elle sort. Ce qui veut dire que ça augmente de deux automatiquement. Ça fait ça. J et E. Donc celle-là qui est sortie, c'est une D. Alors, celle-là disparaît pour faire place à E et à J. Donc, juste ici. OK. Parfait. Excellent. Donc, ça, c'est bon. Donc, ici, pourquoi il y a plus deux fois plus que n'importe où, n'importe. Attends un peu. Attends un peu. Alors pourquoi il n'y a plus que deux fois ce qu'il tombe habituellement en pluie dans les îles? Est-ce que la nature nous déteste? Donc, il y a un personnage qui doit faire un jet de toff. Donc, je pense que ça va être Stéphane. Ah non, pas du tout. C'est là, pour la première fois qu'on marche ce round-ci, on doit faire un jet de toff. Parce que c'est beaucoup plus compliqué. Ben, coudonc. Ben, coudonc. Ok. Parfait. Donc, on y va. On y va, peut-être. En tout cas. Bon. Alors, le père ou fer s'en va ici. Lui, bouge pas. Celle-là s'en va là.
puis celle-là, il n'y en a pas. Excellent. Parfait. Alors. Il est là. Donc, lui, il va faire 1, 2, il va faire son jet de taf. Réussi. Écoute, 2 comme ça. Ah, puis même là. Oui, ça va lui coûter 2. Ensuite, il va faire un scout pour augmenter ça de 1. Puis, il va ensuite retourner à la maison. En ce qui la concerne, elle, elle va se reposer. Ensuite, va prendre le bus. Non, on va s'en aller là. On va faire un jet de taf. Manqué, donc elle devient exhausted, elle est fatiguée. Mais elle a quand même investigué à cet endroit-là. Alors, c'est le J. Oui. Alors, des traces dans le lac. Et il semble qu'on a retrouvé des traces du paraufeur. Et ils vont directement au lac Eaglevicken. Donc, c'est un jet de charm. Charm. De charming. Donc, c'est sa force. Peut-être qu'on peut aider. Attends, un des frères de la scrap. De la cour à scrap, là, finalement. Et ben, un des frères qui s'occupe de la cour à scrap est sur le bord de. Et justement sur le bord d'aller chercher son bateau. Peut-être qu'on pourrait lui emprunter pour aller voir nous-mêmes. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va essayer de. Let's go. Ah, Seigneur, que je suis mauvais. Oh, que je suis mauvais. Elle va devenir. Elle commence à avoir peur. Puis, let's go, on continue. Oh my god, c'est ridicule. C'est ridicule. Ridicule, ridicule, ridicule. Alors, j'ai beau essayer de le convaincre pendant plus d'une heure. Ça marche pas. Je deviens fatigué. Elle est déjà fatiguée. Donc, elle va prendre le bus, puis elle va retourner à la maison. Ok, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, là, j'en ai manqué combien? Un, deux, trois. Donc ça, c'est rendu à 10. J'étais rendu à 9, donc j'en avais oublié une. Donc à chaque fois que je réussis pas une carte de rumeur, je dois l'augmenter. Je vois que je l'ai oublié deux fois, mais je serais rendu à 11. Donc là, vu que je suis rendu à 10, pas de card B5 into play. Discard. Donc défausser cette carte. Alors, il y a un outbreak, donc le virus qui contrôle les machines se répand rapidement et il devient de plus en plus agressif. Il semble qu'il a réussi à trouver ce qu'il cherchait. Donc, les watchdogs deviennent glitch. Alors, le watchdog devient glitched. OK. Flip B3 to its B-side. B3, celle-là. Alors, ça. Voilà. Donc, réponse agressive. Je vais regarder. Ensuite, les machines glitch bougent en ignorant la direction. Ils bougent de 1 ou de 2 vers D3. D, 1, 2, 3, vers D3, vers les Bonnet Tower. Alors, je peux prendre 5 insights et un temps lorsque je suis au Bonnet Towers pour mettre la carte B6 en jeu.
au moment où que toutes les machines glitch sont adjacentes à Détroit, Flip Discard. J'ai comme l'impression que ça sent la fin. Et ça ici. Alors, Glitch Machines Always Alert. Ah, bon. Alors là, vraiment, ça va pas bien. Elles sont devenues agressives. Pour calmer une machine glitch qui est proche, donc on doit prendre un pion de temps, faire un test de charme ou de clever. Si on réussit, on met un counter blanc sur cette carte. Une machine qui peut seulement être calmée une fois par tour. Additionner un counter blanc sur cette carte à la fin, à la phase de fin. When there are more counters, au moment où il y a plus de counters blancs sur cette carte que le nombre de machines glitch, flipper toutes les cartes de réponse erratiques à routine. Puis déjà, je reflippe cette carte-là à ce moment-là. À chaque fois, ok, on peut, bon, ça c'est la même affaire que tantôt. Si on scout, ça donne un d'inside, puis deux d'inside si on réussit à la hacker. S'il n'y a pas déjà en jeu le machine virus, ben c'est déjà ça là. Ok. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est complètement ridicule. Je suis en train de perdre la partie de façon magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Enfin, donc, fin d'aventure, est-ce qu'ils sont home for dinner? Oui, donc, Inc. Injured condition, shores, on s'en fout. Ils sont adjacents, ceux-là. Donc, ça augmente encore de 2. 1, 2. Là, je suis rendu à 13, mais ça change absolument rien pour l'instant. Là, il fallait-tu que je la remette à zéro? C'est la bonne question. Non, ça dit rien ici. Puis ici, c'est. Non, il n'y a pas de. Ça dit rien. Ça dit absolument rien. Ok, c'est bon. Je sens que ça va mal aller. Je sens que ça va mal aller. Donc, on est rendu le vendredi. On retourne à l'école. Récupère ça ici. Récupère ça là. Non, il n'y en a pas. Ça, c'est beau. Ça, il se déplace par là. La school card. Donc, j'en rajoute une. Alors, vous voyez, les enfants, Malark Kransin est actuellement en train de bâtir. Ah, Malark Kransin a été bâti durant les années 60. Alors, en tant que groupe, j'ai fait un jet de cleverness, donc c'est elle qui va le faire, parce que c'est quand même ça. Lui, il peut pas l'aider là-dedans, donc bien sûr, je réussis pas. Donc ça veut dire qu'elle fait ça de même, puis elle deviendrait exhausted, mais elle l'est déjà. Ah non, exhausted, c'est juste celui qui l'aidait. Bon, mais coudonc. Lui, il se déplace là. Ah non, il se déplace toujours vers Détroit. Fait que un là. Lui, il va se déplacer de 2. Et lui, là-bas, se déplace de 2 aussi. 1, 2. Ok, juste à côté. Ok, là, qu'est-ce que je fais, là? T'as pas de bon sens. J'ai comme l'impression, là, ça va être affreux, mon affaire. Affreux. Donc, elle, la seule chose qui reste à faire, c'est de retourner à la maison. Elle va prendre le bus. Sauf que vu qu'elle passe par une localisation où ce que le parent ou faire, elle doit faire un avoid. Donc, on va essayer ça. C'est un jet de. Soit. Ok, elle va utiliser son clever, donc 3D. Manqué, donc elle ne peut pas passer, et nécessairement elle revient là. Bon, c'est magnifique. C'est magnifique.
Donc, lui, il va en prendre un pour se rendre ici. Bon, il faut qu'il essaye de l'avoider. Donc, ça va être 3D. Il va prendre son bike pour avoir un dé supplémentaire. Alors, c'est réussi. Donc, réussi à l'éviter. Oh, non, excuse. Je viens de voir ça. Le avoid là-bas, c'était grab, become scared and injured. Donc, elle reste là. Elle est encore là. Sauf que scared and injured. Donc, c'est fait attaquer par le paroufeur. Oh, ok. Donc, lui, il arrive là. Ensuite. Ensuite, il va faire un scout. Il va faire augmenter ça de 1. Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. Je suis en train de mourir. Je suis en train d'y passer de façon majestueuse. C'est ridicule. Il va faire un rest. Ça revient là. Ensuite, il va prendre une raid avec ses parents pour retourner à la maison. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont home for dinner? C'est pas son cas à elle. Les injured conditions font ça. Scores, elle n'a pas réussi à le finir et c'était la dernière journée comme inscrite ici. Donc, c'est un filler. Donc, ici, elle devient grounded. You must discard these instead of raising favor on a one per step basis. Ah, ok. Donc, c'est pas ceux-là qu'on met, c'est des blancs. Donc, maintenant, elle peut pas le faire augmenter. C'est ça ici qu'elle va falloir qu'elle fasse. Better favor track. Ah, ok. Je viens de comprendre. Alors, je mets ça là. J'en mets deux sur le favor track comme ça. Et ça, c'est les deux que je dois enlever en premier avant de pouvoir aller vers la gauche et d'enlever finalement le grounded. Là, fait que ça va vraiment pas bien pour notre chère Lina. C'est ça que ça veut dire. Alors, end phase. Donc, ça fait augmenter. On est rendu à 15. Et voilà. Et voilà. On est rendu à la préparation. On est rendu le week-end. La particularité du week-end, c'est que nos chers ont plus de temps. C'est un seul tour. Ils ont plus de temps pour finalement arriver à leur fin. Donc, on fait ça ici. Ça, ça descend là. J'ai pas oublié ça. J'ai pas oublié ça. Ça, ben finalement, il s'est rien passé. Là, il y en a un que j'avais oublié de placer. C'est le L ici. Donc, on prend une carte d'école. L'événement qui est au centre, on ne le fait pas le week-end. On fait juste ça. Donc, je dois en mettre une. Celle-là disparaît. Donc, automatiquement, ça augmente de 2. Ça se déplace comme ça. Et je dois en mettre une autre. C'est B. Donc, celle-là que j'ai enlevée, c'est X. X, 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 X. Celle-là. Puis c'est remplacé par B. Alors, on commence chacun chez soi la fin de semaine. Donc, ça ressemble à ça. OK, ça c'est bon. Là, on fait les machines. Donc, se déplace là. Lui, il ne bouge pas. Lui, il ne bougera pas parce qu'il est déjà rendu à sa destination. Donc, voilà. Alors, c'est mes kids. OK. Alors, lui ici va faire 1. Alors, ça coûte 2 pour aller ici. Puis là, qu'est-ce que je peux faire au Bonnet Tower? C'est spend 5. J'en ai pas 5. OK, on va attendre.
Elle va aller ici. Alors, là, je rappelle que même si celui-là, il est à côté d'un open, même chose pour ici, il ne change pas à cause des cartes. Là, ils sont. La seule façon de les faire changer en routine, c'est en mettant des counters dessus. Lorsqu'on est nearby a Get Lich Machine, on peut prendre un temps et faire un jet de charme ou de clever. Si on réussit, on met un counter. Puis quand il y a un nombre de counters plus grand que le nombre de machines, bien là, toutes les machines deviennent routines. Donc, c'est la seule façon d'arranger les choses. Prenant ça en considération. Donc, elle s'en va là, elle va falloir qu'elle fasse un avoid. Donc, elle doit le outsmarter. Bon, qu'est-ce qui arrive? Donc, elle reçoit un blast de canon à eau. Donc, elle devient en colère, ce qui était déjà le cas. Puis elle perd un random item. Donc, 1, 2, 3, 4, oh. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 1, 2, 3, c'est là qu'elle perd. Donc, elle a perdu son freestyle. Donc, voilà. OK. Donc, elle va prendre un pion de temps, faire un jet de charme sur la machine. Tabarouette, come on! C'est manqué. Donc, elle n'a pas réussi, puis je peux juste le faire une fois par tour, c'est ça? Once per turn. Voilà. Alors, ça n'a servi absolument à rien. Elle peut pas demander ses parents absolument à rien. Elle va faire un scout normal. Donc, on va faire augmenter ça de 1. OK. Puis, elle va tenter de retourner chez elle. Donc, elle retourne chez elle. Stéphane va aller au Bona Tower. Il faut qu'il fasse le avoid que là, il va faire un jet de tough. Ah, ben, voyons donc, c'est n'importe quoi. Faire le jet. Réussi. Une fois là, faut qu'il prenne un pion de temps. Spend 5. Et là, je peux mettre la carte 6 ici. If not un blé, pas de. T'as peu. Ils disent ici. One of the bonnes. Bon, ok. B6. Alors, vous trouvez un signal qui émane du Machine Graveyard. Alors, peut-être que c'est la source du virus. Alors, on doit mettre le Machine Graveyard. Alors, tout juste ici, juste là. Oups, non, juste là. Alors, ça, c'est le Machine Graveyard. Alors, je peux essayer de trouver la source du signal lorsque je suis au Machine Graveyard. Je suis adjacent, donc j'y suis. Ou c'est à F? Non, il faut que j'aille là. Donc, il va se déplacer là. Comme j'ai. Oh oui, c'est beau. Ça va. Je vais me déplacer là. Puis, je vais essayer ça ici. Donc, je dois faire un jet de clever ou de vitesse pour mettre un counter sur cette carte. Et lorsqu'il y a 5 counters, je la flip. Donc, on va essayer ça. Alors, c'est 3D. Réussi. Donc, je mets un petit counter dessus. Ça m'en prend 5. Alors, c'est un bon début.
Donc, est-ce que je suis home for dinner? C'est pas le cas de lui, donc il va être grounded. Alors, il va être grounded. Donc, ça, faut pas que je le déplace tout de suite. En ce qui concerne elle, elle l'est. Donc, elle entre un petit peu plus dans les faveurs de ses parents. Ça, on s'en fout. On va mettre ça là, c'est vrai. End phase, ils sont adjacents. On est rendu à 18-19. Donc, c'est maximum 18. Ça change absolument rien pour la suite des choses. On est rendu le lundi. Donc, chacun en perd 3. Parce qu'on n'est pas la fin de semaine. Récupère. Seigneur, hey, ça va pas bien. S'en vont à l'école. Et on prend une school card, les amis. Alors, c'est le Valentine's Day. Oh! Alors, il y a trop de pression. Il y a trop de pression. Je ne peux pas y parler aujourd'hui. Je vais juste laisser une note secrète sur son pupitre. Donc, premièrement, ici, c'est moins 1. Donc, celle-là, ça s'en va là. Ça se déplace là. On est rendu à J. Alors, le A disparaît et ça s'en va là. OK, excellent. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on fait ça ici. You may try to talk to that special someone. Donc c'est un des deux. Donc ça va être elle. Elle fait un jet de cœur, donc de bravoure. Alors 3D. C'est manqué. Elle devient en colère. Elle l'était déjà. Donc lui il se déplace de 1 là. Lui il se déplace toujours pas. Ça sent la fin. Ça sent la fin. Parce que là, je ne pourrais pas aller à grand endroit là, pour l'instant. Donc, je vais faire un rest. Et il va retourner à la maison. Elle va retourner à la maison en utilisant le bus. Et voilà, c'est la fin de la phase d'aventure. Alors, son home for dinner. Les deux. On n'a pas de injured condition. Les courses, on doit s'en choisir une de plus. Donc, love is in the air. Et l'autre, c'est la prochaine partie. Donc, pour de vrai, je devrais en choisir deux pour chaque. Mais là, pour accélérer le tout, je vais en prendre qu'une seule. Donc, lui, chaque ronde, vous devez prendre vos premiers pions de temps pour ramener Robin à sa maison à Morbihan. Place a counter on this card. Okay, donc, je ne l'ai pas fait ce tour-ci, puisque j'aurais dû y prendre tout de suite au début. Puis, ensuite, the next part, donc, il y a un livre qu'elle doit aller chercher à la bibliothèque à J. Donc, ça coûte seulement 1. OK. Ben, coudonc. Et on recommence. Donc, on est rendu mardi. Ils sont à l'école. Récupère ça ici. Seigneur. Oh, on va récupérer ça aussi. Super important. OK, ça c'est bon. Ça se déplace vers là. Donc, school card. Donc, ampère 2. Alors, ça, c'est L et E. E, L. Qui vont être remplacés par N et G. OK. Ensuite, lui, il se déplace plus. Lui, il se déplace pas. Alors ici, on dit, il y a des drôles d'oiseaux sur la route.
Donc, les bus ne sont pas. On ne peut pas faire le bus ride action. On ne peut pas prendre le bus tour-ci. Ce qui est une très mauvaise chose. OK. Elle va faire un rest. Lui, il va faire un help sur Madame pour y enlever son upset. Ensuite, il va ramener sa future blonde à la maison. Ensuite, il va investiguer ça ici. Alors, chew on this. Si tu l'avales tout rond, je vais faire tes devoirs pour toi. Donc, c'est un jet de bravoure. Réussi. Donc, vous souriez et vous avalez le truc. Alors, c'est impressionnant. Vous gagnez un pion de. Un pion, ben là, je vais prendre celle-là. Un pion de temps supplémentaire ce round-ci. Mais ça ne me donne pas d'insight. On l'enlève. OK. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, elle va aller à J, juste ici. Va aller chercher. Va aller réussir. Ah non, elle fera pas ça tout de suite. Ça n'a pas de bon sens. Donc, elle va là. Elle va investiguer la rumeur. Alors, la pulsation de Goddle, vous entendez un son persistant qui devient de plus en plus important. Donc, si j'ai du make-up, c'est le cas. Je réussis automatiquement. Donc, on va faire ça. Donc, je gagne un item. Alors, c'est Unstable Compound, qui sont des explosifs. C'est utilisation qu'une seule fois pour réussir un jet de quick. Ça ne me donne pas d'inside, celle-là non plus. Enfin, c'est pas grave. OK. Là, il faut retourner au graveyard. Il n'y a aucun moyen d'y retourner ce tour-ci. Donc, elle va faire un ici. Elle va tenter de faire un avoid sur ça. Donc, elle va tenter de le outsmarter. C'est réussi. Donc, ça fait un, deux, elle retourne à la maison. Lui ici, peux-tu faire autre chose? Il va faire un rest, enlever son upset. Là, il ne peut pas prendre le bus. Le reste, ça ne sert à rien qu'il le fasse. Donc, ça va s'arrêter là. OK, ça va s'arrêter là, son home for dinner. Pas d'injured, course, j'ai pas regardé ça. End phase, deux glitch machines à côté de l'autre, on s'en fout. Et ça recommence. Donc, on est rendu mercredi. Retourne à l'école, les amis. Alors, il retourne à l'école. Alors, ça c'est bon. Récupère. Les jetons de temps. Bon, là, ils ont un petit peu plus d'espace. Je prends une. Ça descend là. J'en rajoute deux. Donc, à M et F. F, M, M. C'est à l'école, finalement. OK. Alors, Fluoride Lady. Donc, Fluoride est un. Le Fluoride est bon pour vos dents. Alors, gargarisez-vous pour 30 secondes. On commence maintenant. Alors. Peut-être
peut-être que si vous vous dépêchez, pendant que tout le monde se gargarise, vous pourriez regarder les notes de l'enseignant. Donc, c'en est les deux ou un qui doit le faire. Oh, ça, c'est pas clair. Il me semble que c'est les deux, mais je dois juste vérifier pour être sûr. OK, non, c'est pas ça. Ça, c'est First Player. Donc, là, c'est vrai que je ne le change jamais. Donc, le First Player... Ah, c'est dur à dire. T'as un peu. Donc, je t'ai rendu là, j'ai fait 1, 2, 3, 4. OK, c'est rendu encore elle. Donc, elle doit faire un jet de justement ça. Je ne vais pas utiliser les explosifs, mais elle est slow. Donc, let's go. On ne réussit pas. Donc, OK. Donc, je suis obligé d'écouter les choses sur le fluoride. Et donc, ça me prend un jeton de temps. Ce qui n'est pas une bonne chose en tant que tel. Donc, allons-y. Stéphane va faire 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Il faut qu'il avoid para ou faire. Donc, c'est un jet de... il va faire un jet de quick. Réussi. Et là, qu'est-ce qu'il doit faire rendu là? Donc, c'est spend one and succeed at a... OK, même type de jet finalement. OK, il va refaire ce même jet-là. Il doit en prendre un. Je peux le faire plusieurs fois si je veux. OK. Alors, on va mettre un pion sur cette carte-là. On va le faire une autre fois. C'est manqué. On va le mettre exhausted pour faire le jet. C'est toujours manqué. On va mettre un autre pion de temps. Ouais, on va mettre un autre pion de temps. Et c'est manqué. Bon. Il va être grounded, mais c'est pas grave. En ce qui la concerne, ça fait 1, 2, 3. 1. 2, 3. Même chose, elle doit faire un jet de quick ou clever. Elle va faire un jet de clever. Réussit pas. Elle va devenir en colère. Elle réussit pas à passer au travers. Et grab, donc scared and injured. Donc, voilà. Ce qui n'empêche pas quand même de s'essayer dans un autre jet, tout simplement, pour pouvoir ajouter un counter blanc. Ça va devenir exhausted. De temps en compte, je manque tous mes Christy jets. Ça va pas bien, les amis. Ça va pas bien. Donc, j'ai manqué tous mes jets. Alors, c'est la fin de la phase. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas à la maison pour souper. Alors, un de faveur. L'injured condition ici qui disparaît. Ensuite, les cores, mais là, c'est demain qu'il va falloir que ce soit fait au complet. Et donc, on recommence. On est rendu jeudi de la deuxième semaine. On retourne à l'école. Récupère ça ici. Récupère ça là. Ça, ça bougerait. Carte d'école, moins 2, il n'y en a pas d'autres qui se rajoutent, c'est une bonne chose. Alors, retenue. Alors, le first player, c'est-à-dire là maintenant, c'est lui. Il va faire un jet de charme. C'est réussi. Alors, il n'est pas envoyé en retenue, il s'en tire avec seulement un avertissement. Donc, lui, il ne bouge pas. Lui, il bouge de 2. 1, 2. Donc, ils sont tous à cet endroit-là. Flip this card. Alors, rage des machines. Les machines sont dans un rampage, dans un état de destruction. Ils détruisent plusieurs... ils détruisent des choses au moment où ils se déplacent.
Mais en ayant apparemment une destination dans leur esprit mécanique. Alors, Rick Synergy envoie un Amat 2, mais il ne bouge pas. Bon, alors, discard défausser B3. Ok, on défausse B3. Glitch machines are always on alert. Ça, c'est pas nouveau. Put an Amat 2 at E5. Ok. Alors, ça, c'est le Amat 2. On le voit-tu? Non, pas entièrement. Je vais essayer de le placer d'une façon qu'on puisse le voir. Ah, Seigneur. Manque de place. Manque de place. Manque de place. Donc, on va le mettre ici. Mettre le Amat 2 ici. On va sortir la figurine du Amat 2. À E5. Hein? E5. OK. Pas de tout random firewalls en it. Comme ça. Skip these when hacking the Amat 2. Bon. Put two random face down at the start of the run. Skip these when hacking. Bon. The machine are targeting the coolant system, the Gravitron. Alors, pour chaque glitch machine qui est à côté d'une localisation restricted, à la fin d'une phase, additionnez un d'énigmes. Si ça va jusqu'à 15, flip B2 in read aftermath. Alors, je suis déjà rendu à 18. Ça veut dire que le aftermath se passe déjà. Alors, les machines continuent à détruire les stations de coolant et remplissent les conduits de ventilation de débris. À la fin, il ne reste plus grand-chose du loop qui commence à se détruire, à imploser finalement. Finalement, les enfants perdent la partie. Ridicule. Complètement ridicule. J'ai pas réussi. Alors, la mission la plus facile, apparemment, du jeu. Pas ta manque. J'allais manquer. Bon, est-ce que j'ai fait des petites erreurs? Oui, j'ai oublié deux, trois petites affaires en courant de partie, mais ça ne change pas grand-chose sur le fait que on a vu comment fonctionne le jeu, mais on a vu que c'est pas facile. Qu'il faut bien gérer ses enfants, les machines aussi. Qu'on a du temps qui peut passer quand même assez vite. C'est vraiment pas évident. Vraiment pas évident. Ma première partie, j'ai fait le même scénario jusqu'à la moitié. Je pouvais vraiment me concentrer sur mes actions parce que là, je n'étais pas en train de filmer. Puis, vous savez, quand on filme, on a tendance à faire des fois une ou deux petites erreurs pour la simple bonne raison qu'on essaye d'être parfait, mais en même temps, on ne l'est pas. Ce qui nous rend imparfait d'une certaine manière. Enfin. Alors, c'était Tales from the Loop, The Board Game. C'est un jeu très intéressant, intriguant. Je dois l'avouer, quand même très, très, très intriguant. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air. Faites-nous le savoir. Allez sur notre page Facebook et notre Instagram pour vous tenir au courant des dernières nouvelles. Et surtout, allez sur notre Patreon au www.patreon.com pour nous donner un petit coup de pouce. N'hésitez pas aussi à visiter notre Discord. Venez vous inscrire. Vous allez trouver l'adresse ici-bas, d'ailleurs, dans la description de cette vidéo ou encore dans la communauté de la zone jeu de société. Et bien sûr, allez sur le site web de notre commanditaire Le Valet de Cœur au www.levalet.com. Et d'ici là, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt. Moi,
Je vais aller ramasser ça puis essayer de.